un jour, enfin, dès que je suis là, j'ai atteint mon dernière étape, et qui était pour moi très privilégiée. C'est une clairière finalement, son nom public et officiel. Et j'ai une clairière secrète. Par définition, chaque clairière devrait appartenir à celui qui l'a découverte. Eh bien, même si les autres y fréquentent pendant son absence, alors ça reste la sienne. Cette clairière, effectivement, est inondée, mais le débit de l'eau est un peu monté. Il y a eu changement topographique dû au climat et à la saison, mais intact et très fertile. Et on ne sait pas écologiquement si c'est contaminé avec les débordements. Mais quand on ne touche pas, quand on ne mange pas ces fruits, c'est une Éden. C'est une Éden dont les fruits seulement sont interdits. Voilà, déjà, on est parti. C'est une Éden dont les fruits nous sont défendus. Voilà notre condition tragique pour faire toujours des films tragédies. Tout à l'heure, je pensais Corneille, Molière, bien sûr Shakespeare, mais en fait, ils sont géniaux, mais finalement, ce qu'ils mettent, écrit en style précis, c'est que le public, plus ou moins le public, le dispositif, est prêt ou non prêt. Enfin, c'est ça le grand problème. Qui est mon public qui se disposait? Ben, apparemment, j'ai trouvé, c'est nulle part. Ne parlant pas ma langue, moi non plus. Parlant sa langue partiellement, en préférence étranger. Tout à l'heure, j'ai cité le nom de Paolo Fabbri. Enfin, s'il est vivant. Et il était italien, hein, parlait français dans le collège, etc. On a vu des pleins. Régis Debray, très précieux, qui. Il savait tout déjà de Paul Virilio, en fait. Il était toujours. Bon, je vais étaler mon bagage ailleurs. Ici, il faut que je goûte le plaisir quand même d'être là simplement. Alors, le style, ça peut attendre. Et il y a de quoi pour une benne de Dian. Cette saison, c'est ce qui est nouvelle, c'est il y a une grande cuvette pour une Dian probable. La benne de Dian, hein, la scène de sa chasse, la benne de Dian, celui qui guette, celui qui. Et témoin, celui qui chasse, celui qui est témoin. C'est le sujet de l'hypothèse de tableau volé déjà de Raoul Ruiz, sud-américain, parisien, grand metteur en scène. Non, je dirais pas metteur en scène, grand cinéaste, génial, génie. Je suppose grand ami intellectuel de Pierre Klosowski. Parce qu'il est inspiré, ça se voit, de l'œuvre à la fois picturale, à la fois littéraire de Pierre Klosowski. Et bien de Dian, c'est Klosowski d'ailleurs. Ah là là, comment je vais faire tous ces films? Oh là là. Et même quelqu'un, comme si j'avais une équipe de films, on a déjà prévu que je fasse ce film.
sous le bain de Tian, sous cette scène de chasse imprévisible, mais où on a trouvé un Tian. J'ai déjà fait un film sous le bain de Dana, Danaïde, oui, dans le parc de Bébec. Depuis longtemps, je n'ai pas revu ce film, même pas trace de ces photogrammes. Mais c'est fantastique, il y avait une petite Eros qui se baignait dans le jet d'eau en plein été. C'est juste avant de partir pour l'Espagne avec une copine. Mais tiens, si elle peut poser pour Diane. Pour Danaïde, c'était un sujet mythologique. C'est encore une mythologie, mais Danaïde, c'était déjà fait dans le parc de Bébec avec Jetto, dans une journée en chaleur. Tous les petits garçons de gitans et ils faisaient festin sur le bain de Danaïde. Danaïde, Jupiter, jette d'eau. Ici aussi, c'est le cours d'eau. Il y a une cuvette demi-remplie, vide, prévue, commune, signifiant vide, qui signifie trop. Un vide qui signifie trop. Ça connote la nudité, si ce n'est pas grotesque. Comme en Moyen-Âge, effectivement, on saisissait l'occasion de faire une bain chaud très très rarement, même au 18e siècle aux États-Unis. Effectivement, c'était quelque chose de rare. Il fallait trouver une taverne, un hôtel avec l'eau chaude et femme. La musique, un peu boisson alcoolisée, toutes les films de cowboy, ça se passait comme ça. Mais Diane Sertuel, Diane Diurne plutôt, son nom exact. On est en pleine journée, il fallait que je me réveille, mon Dieu. Diane, qui est-ce Diane? Diane, ça veut dire, elle a une robe grillée dans son... Cité fantôme, il a bien clairement écrit que ça devait venir d'un nom turc, Divana en plus. C'est pour s'asseoir, alors j'ai compris, c'est pas pour faire de bain, pour s'asseoir encore à l'échelle humaine, tranquillement. Et en plus, ça se condole, c'est comme en Venise, où toutes les faibles spéciaux de cours d'eau. Tiens, ça peut être un berceau de Moïse aussi jeté dans les eaux et sauvé des eaux par les inondations avec la marée basse. C'est posé là. Alors navire ancré et coupé tous les cordes avec le port méditerranéen. On est au début de notre discours. Et ça m'a fait peur. On m'a pas retourné à la circoncision et circonférence d'une circumnavigation quand même. Et à mes pérégrinations interminables en liquide, en eau, en argent, en intérêt, en fructueux intérêt. Voilà les fruits. Les mots, je crois, commerciels, les fruitiers, il devait y avoir des, comme ce demi-concept qui a quelque chose à voir avec le produit vendu. Et à parler de l'échange dans son nom, n'est-ce pas, une affaire fructueuse quand même, n'est-ce pas, frugalité, déjà... Jean-François Lyotard aimait bien ce mot comme moi, frugalité. On a oublié le fruit dans la frugalité. Fructueux, les affaires fructueuses. Voilà, friction. Voilà, et on frictionne les mains ici
avant de lécher les lèvres. Et on frisse, on a le frisson en hiver, mais on fait des affaires fructueuses plutôt en hiver, parce que déjà moissonné, coupé, mis dans le grenier, dans la grange, les bétails confrontés, allaités, tranquilles, chaudons, chauffe, cuisinés, ça fait murmure et lacté est prêt, fromage et un peu grillette de fromage, le pain doré, une présence féminine, quelqu'un dans le grenier, il y a un jet d'eau, il y a de l'évaporation de tout ce qui est solide, passage à l'état liquide, puis évanescence, fièvre, l'enfant, cauchemar, rêve d'huile, rêve de petit matin, petit dressage du matin, du jeune laitier de la maison qui se lève tôt, clapement de porte, mugissement de l'âme. Voici encore moi dans l'atmosphère de Pantagruel et de sa compagnie qui ne m'a pas quitté depuis ce matin très tôt. Comment puis-je écrire en français de Moyen-Âge, même Moyen-Âge tardif? Comment ajouter les mots et mimer d'une conjugaison de verbes et d'une orthographe moyenâgesque et user parfois les mots germaniques comme bishop pour dire mon ami épistolaire. Mon ami était épiscopos, il faisait des services épiscopal auprès de bishop. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Qui es-tu, l'Europe? De quoi je me mêle? Aïe, aïe, il faut parler personne pour que personne entende la sonorité douce de mon tue que j'avais m'en garde. Rêve de personne, lettre de personne. Lord Byron, Flaubert, Balzac, Sarrazin, SNC, Roland Barthes. On y revient toujours aux mêmes choses. J'imagine que, comme me disent, que mon œuvre est déjà finie, achevée, donc il ne faut pas que je perde mon temps qui est déjà compté. Et pour des nouvelles divagations et de dissertations ou des conversations, et il ne faut pas élargir encore plus le cercle. Qu'est-ce que toi à faire avec une série inale, etc. Pourquoi tu continues à tes pérégrinations au lieu que tu te condenses et comme tes joues sont calculées, Herrschaft et dans des signes et incontournables. Donc l'amour a souci. Et ton œuvre qui n'est pas du tout publiée ni dans sa totalité, ni dans sa partialité, sauf quelques
études. Donc, ton œuvre que tu sens comme ton œuvre, donc ton œuvre poétique, on suppose, ou quoi que ce soit. Et pourquoi, avec tes certaines capacités concernant électronique, cyber, espace ou de nœuds de connexion, intertextualité ou etc. Au lieu de faire des films, même si tu vas faire des films, tu fais sur ton œuvre. C'est-à-dire tu utilises cette dernière chance, tu ne peux pas déléguer à quelqu'un d'autre qui ne fera pas finalement un technicien, une équipe de techniciens qui ne fera pas mieux que toi, parce que tu connais tous les renvois intérieurs, d'itinérance des envois, itinérance et de intertextualité des renvois, etc. Donc tu peux faire une machine, tu peux inventer une machine à toi, donc une computer, quantum computer, on te dispose dans une université américaine et tu commences dans ta cellule monastérielle, monadique, sans s'occuper encore de l'extérieur. Tu restes dans ton monade l'apnicien et tu conçois la portion du monde qu'on t'avait retardé déjà, c'est-à-dire n'espère plus qu'on puisse te encore impartir une morceau de l'existence ontologique qu'on n'a pas encore exploré. Juste avant la mort, peut-être on va ouvrir certains rideaux, etc. Mais tu vas voir ça entre temps. Mais maintenant, comme les autres, tu es très studieux, actif, donc tu peux travailler sur cette machine cybernétique. Comme nous avait confié qu'à 18 ans, tu voulais aller aux États-Unis auprès des équipes de Norbert Wiener, psychologue, mathématicien, etc. Enfin, tu voulais faire cybernétique, une science qui n'existe pas, qui est devenue la réalité, Gestalt, Heideggerien, etc. Et tu fais ton Gestalt. Ah oui, j'ai fait mon. Oui. Il ne faut pas s'amuser avec ça. Oui. C'est très sérieux, mais personne ne me dit ça, personne ne me dispose de ce moyen. Mais avec une machine à la maison, on peut en faire et écrire un livre, c'est déjà ça. C'est déjà ça. Avoir une filmographie et avoir un renvoi à l'intérieur, un renvoi assez élastique. Non pas chronologique et thématique, même sur YouTube qu'on a quand même qu'on doit beaucoup, il peut y avoir des autres réseaux dans l'avenir, mais aujourd'hui le plus élaboré sous nos mains amateur usager. Le meilleur, donc pourquoi, moi c'est ma réponse cette fois-ci, pourquoi se priver de cette dialectique en cours, comme l'amour n'est pas encore arrivé, comme Herrschaft est arrivé, tout va finir ou tout va recommencer, on sait rien, mais pourquoi se priver de cette dialectique entre l'image figurale et discursive, à l'intérieur même du discursif, à l'intérieur même de figural. Et donc, faire du cinéma, c'est un acte minimal de continuer d'être dans le chemin. Pour que tout le monde comprenne, Holzweger, c'est de frayer le chemin et essayer de reprendre le chemin déjà frayé et en sentir des odeurs, des floraisons autres et
Voilà, c'est comme se promener comme une vierge, même avec les habits blancs et même avec les habits colorés. Voilà ma réponse.